J'ai que 30 secondes pour faire mon intro, c'est excellent. Salut tout le monde, c'est Vodka, aujourd'hui on se retrouve. C'est excellent ce qui se passe sur un jeu, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est Battleground. Il y a plein de gens qui jouent en ce moment sur YouTube. Je me suis dit, Valentin, tente l'aventure, j'ai fait que deux parties. J'ai réussi à tuer qu'un seul mec en deux parties, mais je me suis dit, mec, c'est marrant quand tu sais pas jouer, parce que de toute façon tu sais pas faire autre chose. Alors joue, c'est parti. Respire. Et pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, en gros, si tu veux, t'as un avion, t'as 100 personnes qui sont larguées sur une île, et en fait l'île est rétrécie. Et il faut être le dernier survivant. Alors, je vais pas te mentir. Tu veux quoi toi? Je vais pas te mentir, mais partie elle dure pas longtemps. Allez, c'est parti, petite flûte de Master Batman. Je vais commencer à s'extraire maintenant et vous allez voir qu'il y en a plein qui sautent mais pas moi. Parce que moi j'aime pas sauter. Sauf les pommes de terre. Sauter. Maintenant. Ah non, je me suis éjecté avec un mec. Ça c'est mauvais. Ça c'est le truc qui m'est encore jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on va retomber. Hello. Allô, tu m'entends? Ça va? Hello, how are you my friend? C'est pas la bonne touche pour parler. Oh là là, je sais pas comment on parle. Bon bah écoute, on va mourir et puis on verra bien. Est-ce qu'il me suit ce connard? Non, je sais pas où il est tombé. Je vais vraiment essayer de montrer dans cette vidéo comment on joue, enfin comment on découvre le jeu et un peu le but. Parce que on va dire que personne connaît. Je suis vraiment le mec, tu sais, mais qui est un peu en retard quoi. Déjà, on va changer la vue, on va ramasser tout ce qu'il y a ici. On a déjà une arme, un sac à dos, c'est déjà pas mal. Faut recharger parce que sinon, tu oublies de recharger, bah ton arme elle sert à rien. Ça m'est arrivé hier, j'ai croisé un mec, j'avais pas oublié de recharger, bah je suis mort. Alors là, bon, déjà, il faut que mon bureau soit bien foutu parce que c'est un jeu où il faut se concentrer, Valentin. Donc tu ranges un peu parce que voilà. Oh, c'est trop bien, ça, une arbalète. Comment on s'en sert? Je parle tout bas mais personne m'entend en fait. Hein. Ce qui est assez ouf aussi c'est que tu meurs souvent dès le début hein, quand t'es nul je pense. J'arrive quand même à garder un peu de temps de jeu. Hein. Je sais pas combien de temps ça dure une partie mais des fois je suis pas mort au bout de 10 minutes. Je sais pas si c'est bien. Je vais vraiment me faire insulter par les gens qui sont fans de jeu, je le sens. Hein. On a un peu là. Ouf. Bon, ça sert à rien ce que je viens de faire mais il y a un mec là-bas. On va essayer d'aller le buter ou... Allez on tente hein, c'est aussi le jeu. Hein. Allez tu rushes mon petit gars. Allez, il est rentré dans ce bâtiment, on est tous d'accord. On va y faire une petite approche discrète. Il y a une voiture là-bas je crois en plus. Ça je crois que c'est une bagnole. Je suis sûr qu'il va la prendre, il va se barrer, je vais juste avoir perdu du temps et... Regardez, il est là, il est en dehors du bâtiment. Il fait le tour de ma pub, il saute, il est en train de bâtiment, ça y est. Oh putain lui je vais le dégommer frère. C'est sûr, c'est mon premier kill. Ok, ma pub. Allez, je l'ai touché. Yes. Oh, ça fuse les balles, ça fuse. Il est resté couché derrière ce truc, c'est obligé. Il va plus partir plus loin. Oh putain, c'est qui me tire dessus? Oh là là. Oh Valentin, on s'en serait pas dans le premier kill avec une arme? C'est excellent ce qui se passe. Grosse interrogation que j'ai, et là vous allez pouvoir me renseigner, parce que déjà, s'il vous plaît, mais dans les commentaires, hein, parce que là c'est une vidéo donc ça marche pas. C'est comment on regarde son stuff? Bah c'est voilà, c'est là. Oh putain, je commence à bien savoir jouer moi. Eh, alors, je vais la péter, mais quand je pense que t'as la moitié des joueurs, ça veut dire que t'es déjà bon. Hein. C'est ma troisième partie. C'est-à-dire la première pour connaître les touches, la deuxième pour dire voilà j'ai tué un mec, et la troisième pour trouver un véhicule. Ah, je me suis trompé de siège. Allez, salut! Bon, on va aller à... Attends, c'est quoi? Pochinki? Pochinki? Mais voilà! 12 seconds later. Yo! Who that boy? Who him is? Oh, c'est bon ce qui se passe! Je suis sûr, il y a des petits cabanons comme ça, il y a des armes de ouf. Putain, il y a un truc qui vient de tomber. C'est ça qui est surprenant dans le jeu. C'est que tu te dis, je vais dans le cabanon. On dirait vraiment que c'est Nopé Sponzo, mais très mal fait, tu sais. Le mec, il vend un jeu, mais il a pas de sous au final. Il y a une caisse. Attends, il y a un mec. Allez, vas-y, c'est bon, on arrête de réfléchir. Comment ça y'a rien? Attends, je me suis piqué ma bagnole et en plus j'ai trouvé une caisse vide. Tout va bien, j'ai perdu du temps. Ok, le fameux cabanon, on y est. Qu'est-ce que je disais? Que de la merde. Je suis sûr, il y a des petits cabanons comme ça, il y a des armes de ouf. Hop, ça c'est un bâtiment qui a pas encore été fouillé. Avec un peu de chance. Un nouveau pantalon, excellent, putain. En fait, j'aimerais tellement tomber sur un sniper. Comme ça, au moins, je pourrais rien glander et tirer les gens de loin. Peut-être qu'il y a un sniper en haut de cette tour. De toute façon, je connais pas le jeu alors. Et putain, mais je vais bientôt mourir, moi, je suis trop con. Ça va être la cata, je pense, cette idée. Je vais arriver en haut, il y aura que de la merde. Allez, on lève tous les mains et. C'était bien Valentin, bravo. Non, non. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ah ouais, mais moi je suis vraiment un boulet, hein. À chaque fois que je m'arrête, je meurs. Sniper, s'il vous plaît. M'en fous des bottes, putain. Ça c'est ouf ça. On va se refaire avec ça. C'est quoi les zones rouges? Dites-moi dans les commentaires. Alors là, c'est sûr que je lis les commentaires. Alors là, on dit que je les lis pas, mais là c'est sûr. Parce que j'aimerais bien comprendre ce qui m'arrive. Eh, on est plus que 32. Eh, je suis à un tiers hein, quand même. Hein. Et en buggy. A few inches later. Alors ça, c'est des choses qui arrivent même au meilleur, c'est pas un problème puisque j'ai un autre buggy. Enculé ! Hein ? C'est moi ? Ah ouais, merci. Tout le mérite est pour moi. Excellent jeu, putain. Par contre, traverser ce pont, ça va être la mort. Faut vraiment le traverser à une vitesse de fou. Eh bah, c'est pas avec ça qu'on va y arriver, moi je te le dis. Je suis sûr qu'il y a un mec qui m'attend sur ce pont, c'est sûr. Enfin, perso, si je voulais tuer des mecs, je me mettrais là. Exactement comme lui, putain Valentin, tu perds le contrôle. Eh bâtard, nique-toi. Oh, je vais me cacher dans la station essence, là c'est sûr. Petit bandage, parce que j'adore bander moi.
Mon micro vient de bouger. C'est déjà pas une situation stressante là. Rendez-vous dans la zone indiquée. J'y vais à pied ou en buggy? Si je vais en buggy, je me fais repérer. Si je vais à pied, je me fais repérer. Je vais aller en bagnole. Sauf que où est-ce que je m'étais garé? C'est bon, je l'ai retrouvé. Pardon, poussez-vous. Mais arrête, 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 arrête! Fais pas ça, t'es où? T'es où? Mais t'étais où, putain? Et alors, signalé, ouais, pas très fort ce mec. Deux frags, 21. Ouais, ça va! On recommence. You are dead. Ah, bah c'est bien. Voilà, on baisse ma femme! On baisse ma femme! Alors, on baisse ma. J'ai pas de femme. Hello! Hola! Tendo la camisa negra? Hop là, c'est excellent cette chute, il n'a pas mal. Tout va bien. Prends un flingue, voilà. Et tu recharges. Et là, on va commencer à démonter les mecs qui m'ont suivi là. Qui est dans mon quartier? Bande de PD. Vous allez voir la castagne, que c'est la castagne moi. Attends, bonne pioche. Je vais à la base militaire. Je vais prendre la moto là, puis je me casse. Il doit y avoir plein de gens là. Et personne ne me voit car je trace avec ma petite moto. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux les mots. Soyons réalistes. Zone rouge activée, elle a ses règles. C'était très fin ça comme humour. Je sais pas pourquoi mais je sens la petite cabane là. Je vais tendre un piège avec la moto. On est bien d'accord que c'est un jeu de survie, le but c'est de survivre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre dans cette petite cachette. Il y a un mec qui arrive prendre ma moto, je sors, bam. J'explose la gueule au fusil à pompe. Je prends la moto, je me barre. J'aurais fait un kill, j'aurais survécu, je vous aurais offert du talent. Je sens déjà les commentaires en me disant t'es une grosse pute de faire ça. Moi je connais pas trop le jeu aussi, donc je débute, je cherche des techniques. A few moments later. Later. 20 minutes later. 6 hours later. Day 2. Day 3. Day 4. Eventually. Pouet. Alors, mon plan ne marche pas, mais la carte a encore rétrécie, donc il y a peut-être des chances que les mecs passent. Par contre, ce que je viens de me rendre compte, c'est qu'en faisant cette technique de grosse merde, bah je suis une grosse merde, c'est-à-dire que j'ai aucun équipement. Je viens de me faire super mal avec mon bureau, putain, c'est dingue ça, j'ai tapé comme ça et... Aïe. Au bout d'un moment, on peut le dire, aïe. Ah, j'attends encore, hein. Tout vient t'attendre qui sait à poindre. Oui, oui, oui. 3 weeks later. Bon, les frères, y'a une moto là, prenez-la, non. Many months later. Vous voyez la petite maison là-bas, là. Je suis sûr qu'il y a un mec qui fait exactement pareil que moi. Alors, j'espère pour lui qu'il est pas en vidéo, parce que sinon ça va être beaucoup de rush après à monter, mais je pense qu'il y a aussi un mec caché. On est deux, peut-être qu'il me voit, on se voit, peut-être, coucou. Tu sors, bah non, j'attends que tu sortes, bah, pas de soucis, alors. On attend. So much later that the old narrator got tired of waiting and... They had to hire a new one. Ok, la zone de jeu va encore changer dans quelques secondes. Moi pensant à la vie. Bon, c'est bon, relève-toi et on se casse. C'est intéressant ce gameplay, hein. Ah, parce que vous, avec le montage, vous ressentez pas. Moi, ça fait bientôt 10 minutes que je suis enfermé dans le même truc. Ouais. Alors, vous savez comment ça s'appelle ça? Le karma. On s'en fait une dernière cette fois, par contre. Non, rigole pas là. Là, je vais peut-être saigner du monde. Faites pas ça chez vous, les jeunes, parce que ça peut très bien mal tourner. Ça crache des flammes toujours, on sait pas pourquoi. Je vais essayer de me faire atterrir à Rosnok, parce que j'adore cette ville. Donc dès que l'avion est juste là, et attention, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe, c'est en direct. On rappelle que la caméra n'a plus de batterie et qu'on m'entend toujours. Bon alors du coup, je devais aller à Rosnok, je suis où moi? Alors je suis un peu loin de Rosnok, on va pas se mentir, il y a eu quelques petits problèmes. Il y a personne, est-ce qu'il y a un autre gars dans le coin? On est d'accord, il y a que moi le con qui a juste perdu 30 000 années. On va aller à Gaka, à Gatka. C'est pas un album de Val de ça? Voilà, l'humour est présent. Mais par contre, je pense que... Il y a un tracteur là-bas, on est d'accord. Est-ce qu'on peut les conduire le tracteur? Dites-moi, mais alors dites-moi s'il vous plaît que ce tracteur on peut le conduire, que j'ai vraiment besoin d'un véhicule là. On prendrait n'importe quoi. Même un tracteur... Super. Putain, il y a une voiture juste en face, c'est excellent. Ça m'arrangerait juste qu'il y ait personne. Parce que là, niveau protection, ça va. Niveau armes, ça va. On a une trousse de soins. On a une voiture. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas un peu réussi notre vie? C'était la morale de cette vidéo. On va plutôt aller dans ce bâtiment. Avec l'espoir infime d'avoir un sniper. C'est non. C'est toujours non. Peut-être ici... Non. Par contre, on a des jolies bottes. Alors, c'est un peu... pas trop de monde aujourd'hui, j'ai envie de dire. On se croirait sur l'autoroute du soleil. 12 seconds later. Comment? Je me suis fait tuer par une licorne homosexuelle. Écoutez, c'était la première vidéo sur Battleground, elle est peut-être très courte, je sais pas. Je vais peut-être essayer de faire mieux. Là, je me suis fait tuer comme une merde. Si tu veux revoir ça sur ma chaîne, tu me le dis. En attendant, à bientôt.